Bonjour et merci d'être à nos côtés au programme de la Coupe aujourd'hui. Ça donne souvent lieu à des matchs enlevés. Les joueurs portugais qui sont avant tout de grands techniciens. Et ils pratiquent un jeu assez vif, fait de passes courtes, souvent dans un petit périmètre. Il va essayer de lui prendre le ballon. Oh, le tacle est propre, ballon toujours en jeu. Peut-être une occasion pour le Portugal sur cette phase de jeu. Ah, il fallait dégager, c'est bien. Neymar. Valencia. João Moutinho. Ouais, l'attaque qui est stoppée, mais ce n'est pas fini, il faut rester vigilant. Cristiano Ronaldo, bien bloqué, qui doit finalement concéder la sortie. Assué Koto. Oh, il n'a rien lâché là sur cette interception. Bien joué. Gaston Ramirez. Un bon pressing du défenseur. Attention à cette perte de balle au milieu. Il avait bien senti le coup. Miguel Veloso. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Et Pepe intervient. Oh, quel contre, il n'a plus qu'à marquer. Carlos Martins. Edgar Postiga. Ballon pour Cristiano Ronaldo. Un bon ballon d'attaque. Passe en retrait pour le gardien. Ah, quel effort sur cette interception, c'est impeccable. L'arbitre a sifflé, hors jeu. Arrêt du gardien qui ne relâche pas son ballon. Et Cristiano Ronaldo maintenant. Il s'avance vers la surface. Ah, que veut dire l'arbitre? Et cette faute est sanctionnée d'un carton jaune. La défense qui récupère. Pas très bien joué hein, ce contrôle. Ah, physiquement, il n'y est plus avec cette blessure. Oh, le but peut-être. Oh, le tir. Il boxe ce ballon. Oui, la faute était évidente. Coup franc siffle l'arbitre. On s'approche du but.
Un centre bien négocié par le gardien. Je crois qu'au prochain arrêt de jeu, il faudra le remplacer. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. Oh, il y a un coup à jouer, il a du soutien. Ah, c'est sûrement ce qu'il y avait de mieux à faire. Valencia. Et à devoir protéger son ballon. Oh, excellente interception, bien joué. Il centre. Il n'y aura personne pour reprendre ce centre. Raúl Meireles. João Moutinho. Valencia. Miguel Veloso. João Pereira. On est vers la zone de vérité. Contre ce centre. La défense qui commençait à s'empêtrer un peu avec ce ballon. Miguel Veloso. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Avec Nani maintenant. On a joué ce centre, il n'y a personne. Fabio Quintrao. Et c'est la mi-temps ici, donc pas de but marqué, 0-0. Une première période où rien n'est fait pour le moment. Et les deux équipes sont... Allez, c'est parti pour cette deuxième période qu'on espère plus enlevée que la première. Si c'est pas le cas, c'est à désespérer. Valencia. Albert Pastiga. Ouais, bon tacle, mais c'est pas fini. Ouais, le public qui n'aime pas ses ballons en retrait. On s'approche. C'est très dangereux ce centre. Ouais, ce centre qui ne donnera rien, il n'y a personne. Et Cristiano Ronaldo maintenant. Peut-être le but. Et toujours ce score de parité donc. João Moutinho. Ah, s'ils ne viennent pas le contrer, il va frapper, ça c'est sûr. Ah, ils essaient de prendre le match à leur compte. Ah, l'action qui se poursuit. L'arbitre estime qu'il y a avantage. Oh, le beau tir. Oh, ça va être dedans. C'est donc l'ouverture du score 1-0. João Moutinho. Et on redonne à Cristiano Ronaldo. Ça ne sert à rien de le faire continuer. Sa blessure ne peut que s'aggraver. Oh, l'arbitre a sifflé. Va-t-il sortir un carton? Oh, c'est un peu inconscient hein, de faire une faute pareille alors qu'on a déjà un jaune. Oui, je crois que c'est ce que l'arbitre est en train de lui dire d'ailleurs. En tout cas, la prochaine fois, ça ne sera pas la même histoire. Dernier coup de poker de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté.
difficulté. Ce changement tactique est peut-être ce qui manquait à ces joueurs. Alors là, c'est une chose rare à laquelle on va assister. Trois changements simultanés. Allez, peut-être une bonne occasion. Encore une excellente intervention. Cristiano Ronaldo. Ballon pas trop compliqué à reprendre finalement. João Moutinho. Il l'élimine. Le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. À santé. Attention, ne pas commettre de faute. Excellente intervention. Lilian Veloso. Varela. Gaston Ramirez. Et c'est récupéré. Nani. Ah, dommage. Cette passe qui file en touche. Alors, coup de bluff ou coaching parfait. En tout cas, il a décidé de se donner les moyens d'égaliser. Neymar. Attention à cette perte de balle au milieu. Ah, physiquement, il n'y est plus avec cette blessure. Les 30 derniers mètres. Oh, sur ce coup-là, il est allé au casse-pipe. João Moutinho. Fabio Quintrao. Nani. Fabio Quintrao. Ah, il va pouvoir relancer maintenant. C'est parfaitement fait. Ruben Amorim. Sans Boubacar. Oui, il est passé. Non, c'est pas suffisamment appliqué. Et c'était inutile, il n'y avait personne. C'est à vous qui met les stats, Franck. Ouais, et une stat qui va contenter tout le monde, Hervé. Très équilibré. Touché visiblement, il faudrait le sortir. Ça s'approche. En santé. Nani. Oh, il y a un coup à jouer, il a du soutien. Ah, il y avait mieux à faire sur ce centre. C'est vraiment du petit lait là pour le défenseur. Écoutez les supporters qui poussent en cette fin de match. Ils savent qu'on est peut-être à un tournant de cette rencontre. Allez, grosse ambiance ici en effet. Il faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer. Les joueurs le savent bien. Ça n'ira pas plus loin. Oh, ils vont marquer peut-être. Superbe centre, ça peut aller au bout. Il vient en marquage pour essayer de le contrer. Il va centrer. Elle s'est blessée et d'après le geste, ça ressemble à une élongation. Ouais, je le tire. Oh, les supporters y ont cru, ils ont cru à l'égalisation. Mais oui, mais ce ne sera pas pour cette fois-ci. Mais j'ai peur qu'il n'y en ait pas de prochaine. Elle était importante cette occasion, peut-être même décisive. Mais il a complètement raté sa frappe. Ces dernières minutes qui promettent d'être palpitantes. Le bon centre dans la surface.
João Moutinho. C'est bien centré, ça. On va-t-il marquer la tête? Le gardien qui fait une très bonne prise de balle. Jairo Pereira. Et ce ballon qui traîne. Miguel Veloso. Il va devoir protéger son ballon. Oh, ça va pousser hein, dans les dernières minutes. Et voilà, le match qui se termine donc sur cette courte victoire 1-0. Et voilà, c'est fini. Ils se qualifient, on les verra au tour suivant. Ouais, l'essentiel est acquis, à savoir la qualification. La compétition continue pour eux, c'est bien. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.